Thank you.
Konbawa Minasan. J'ai encore une fois oublié de mettre le micro au début. Comment ça va tout le monde? Genki desu ka? Konbawa. Konbawa. Je dis Naruto, vous mettez Naruto dans le chat s'il vous plaît. Konbawa, c'était Geiki. Ma, choto, tsukareteru ndakedo. Un peu fatigué. Merci pour tous les Naruto. Parfait. Est-ce que le son ça va? Est-ce que la musique de fond ça va? Est-ce que le stream ça va? Est-ce que tout est ok de votre côté? Petit réglage habituel, tout parfait. Bon alors attendez les gens, parce que premièrement, Mizuki qui lâche le sub-gif dès le début à General Mass, j'ai pas compris. Donc je pense qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements, une vague d'applaudissements pour notre cher Mizuki national. Clap, clap, clap dans le chat. Clap, clap, clap dans le chat. Et ça me fait trop plaisir parce que là, presque tout le monde, je dis bien presque, a un kunai et c'est genre, mais d'où, d'où, d'où. Et pareil, merci Zazayan, parce que je ne sais pas qui fait ça, mais Zazayan, elle s'est dit, oh, je vais faire un don de 20 balles, mais en dehors du Twitch. Merci. Merci beaucoup, c'est trop gentil. J'ai pas compris, alors je vais essayer de la remettre, mais voilà. Zazayan essaye de nous soudoyer avec 20 euros. Alors, je sais pas ce que tu veux en échange, mais ça marche. Oh là là. Merci, merci. Alors, je sais pas si t'as testé quelque chose, mais t'aurais dû le faire en live. Mais merci beaucoup. Je l'ai vu, j'étais en mode... Mais c'est quoi ça? J'ai jamais eu ça. Eh? Ah non, c'est le truc qui s'est répété, j'ai eu peur. Je vous jure, les gens. Oh là là. Merci du coup pour le sub gif et merci à Zaza Yan pour le petit don en dehors du stream, c'est très très gentil. Il veut aller derrière le magasin. Tu m'étonnes. Coucou Chami, comment tu vas? Coucou tout le monde, hein. Coucou pur noob, le seul meudo actuellement présent je crois. J'espère qu'il ne va rien se passer, sinon je suis dans la merde. Ah, oh, merci Mizuki pour le sub gif, merci. Merci pour Zaza Yan du coup, c'est trop gentil. Tu as loupé le cours d'hier, c'est pas grave, il est en rediffusion et il est sur, il est déjà sur le Discord sub. Anto est là? Je l'ai pas vu. Ah, j'avais pas vu. Ah, déjà, t'as l'idée. D'ailleurs, je veux. Comment allez-vous sinon tout le monde? Attendez, parce que voilà, dès le début, Et merci aussi, du coup, j'en profite pour les follow. Donc notamment, à l'instant, Fanoa, qui vient de se follow, ainsi que Nina Harmony, Luna Just Me, Girl Rock et Kime Koli, qui sont follow, qui ont follow la chaîne pendant que je n'étais pas en live. Merci beaucoup. Merci pour ton beat, Tenzo Maro. C'est très, très, très gentil. Arigato gozaimasu. Tasukarimasu. Je veux des clap, clap, clap pour tout ça. Je veux des clap, clap, clap. Pour tout ça, il y a tellement de trucs qu'on va faire pour tout ça. Ce sera plus rapide. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Rahashi pour le follow, c'est trop gentil. Follow je t'écoute, arigato gozaimasu sur notre channel Yokoso, bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup les gens, vous êtes adorables. Vous savez comment me redonner la force en fin de journée un peu éprouvante. Vous êtes trop chaud, vous êtes des amants. Du coup, je crois comprendre que vous êtes en forme. Konbawa minasan, konbawa sensei, comment tu vas Seima? Ah, à boire. Kanpai, nyasan. Est-ce que je peux taper nyasan? Kanpai. Tu avais un beau coucher de soleil. En tôt, mais tellement. Genre, il a plu pendant je sais pas combien de temps. Et à un moment donné, j'étais en sad mood. Et là, genre, je fais « Oh, un coucher de soleil et en plus, il est trop beau !» Je t'en vais, go prendre une photo. Ava, Eva, et toi, Sensei. Ça va, ça va, ça va. Si vous, vous êtes en forme, alors vous me donnerez la force qu'il faut pour être en forme. Est-ce que ça vous va, ce petit deal? Si vous, vous l'êtes, je le serai. Sinon, ça peut être compliqué. Ah là là, je vous jure, si vous savez ma vie, les gens... On a des vies compliquées en ce moment. Oh là là. Bon, sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Aujourd'hui,
aujourd'hui, on va faire des exercices pour s'entraîner à la forme polie et aux deux particules que l'on a vues lundi. Donc la particule de COD, O, et la particule de lieu, de temps, pardon, NI. Est-ce que ça a été le cours de lundi? Est-ce qu'il vous reste encore des traces? De toute façon, on va le voir avec les exercices d'aujourd'hui. Hein, mais est-ce que ça va pour l'instant, la grammaire? Je prends la température du chat. Est-ce que vous avez le Covid ou pas? La politesse, Nani, ça vient de sortir. Mais on est poli. Atasu wa tenshi toshite ne, ano, teinego de hanasanakereba naranai desu yo. En tant qu'ange, je me dois de parler poliment. Atasu wa tenshi dakara ne, parce que je suis un ange. Tout le monde le sait. Et un ange qui dab. Merci Polo. Ça a laissé des traces. Ah, Jayokata. Ces émotes, ils font trop peur. Utilisez mes émotes, elles sont trop cute. Please, guy, please. Renshu shio. Aja, renshu shimashou. La vie, quand c'est trop facile, c'est ennuyeux. Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai, il n'y aurait pas de rebondissement, ça serait triste. Konnichiwa. Please, please. Merci beaucoup, Cassette Yuyu, pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Annonce notre channel Yokoso, bienvenue sur la chaîne. Hop, je mets un peu mieux la caméra. Merci beaucoup, je dab comme le petit bonhomme. Youhou. Ah, promis, un moment, je vais refaire l'alerte box, parce qu'elle me plaît plus du tout, mais j'ai pas d'inspiration, alors je sais pas comment je ferai, mais il faut que je refasse ça. Ça va pas, elle me plaît plus. Il faut un truc qui... comme ça, quoi. Faut que ça claque, ok? Faut que les gens ils soient en mode oh, je veux entendre la musique, faut que je follow. Faut que je sub, je sais pas. Il faut que ça impacte les gens et qu'ils se disent oh oui, on veut entendre l'alert box. Là, bon, bof, hein. Bof, c'est pas trop ça. Je sais même pas si, après nous lancer, c'est que c'était un cassette. Une cassette, une cassette, mais si, je sais ce que c'est. Je suis née en 1998, donc mes parents en avaient quand même. Ouais, des émotes avec des mots de shinobi, ce serait drôle. Ou alors des émotes dans Naruto. J'aimerais bien des gifs Naruto, des trucs comme ça. Mettre dans une ambiance un peu plus ninja. Et peut-être un date bayo, je sais pas. Ce serait drôle, dès que quelqu'un follow, on dit date bayo. Je trouve ça trop drôle, vu que ça veut rien dire. Date bayo. Elle n'est pas si jeune, non, mais j'ai 21 ans, je vais dans ma 22e année. Je suis pas un bébé, hein. Je passais le bac de français. Quoi, c'est vrai, Saïma? C'est vrai? Ouais, je ramène tous les comptes. Ah, c'est trop chou. Arigato, Japan Kanke. Tasukarimasu. Merci. J'ai failli le lire. Merci, L-A-S-H-O-A 9, pour ton follow. Moi, je me fais pas avoir. Moi, je suis une vraie ninja, moi. Hein? Le nœud. Gros, il pue. D'accord, merci également pour les follow. Moi, je commençais à apprendre le flamand en 1998. Mais non, mais vous avez quel âge? Je vous crois tellement jeune à chaque fois et que je me fais c'est des désillusions au niveau de l'âge. Le bac de français, c'est rétro ça maintenant. Mais oui, j'avoue, mais moi, je l'ai passé. Eh, 17 bacs de français, les gens. Non. 17 à l'oral et je crois 15 à l'écrit. Alors que je suis une brêle en français. Boum. Un jour, je vous montrerai mes notes du bac. Peut-être. Alors, on fera un live chill, story time, mes diplômes et tout. Je sais que mes parents, ils ont gardé pas mal de choses que quand j'étais enfant et tout. Des cahiers, des examens, comment dire, tous les trucs de collège, lycée, des trimestres, je les ai encore. Ça serait trop drôle. Et on fait pas un sub goal comme ça vous dirait pas? Je trouve ça trop drôle, moi. Qu'est-ce que... quoi? Ah, vous parlez de l'âge. Beaucoup de retraités dans le chat, n'importe quoi. 32, 39, 28, 35, 29, 30... Ah, mais en fait, il y a une moyenne de entre 25 et 30 ans sur la chaîne. 32 dans 10 jours. Attention, oboete okimasu yo.
vous êtes tous plus vieux que moi, c'est exactement ça. Purée, je te rejoins bientôt. Pourquoi, Anto, t'as quel âge, toi? C'est 32, du coup, c'est ça? Je suis sur la chaîne Twitch, mais j'ai pas accès au salon sur Discord. Alors, Marie, il faut que tu connectes ton Discord à Twitch. Enfin, que t'ailles sur tes paramètres Discord, dans connexion, Twitch. Et tu pourras avoir accès au salon. Sinon, tu pourras pas les avoir. Ah, mais oui! Donc, en fait, il y a une moyenne. C'est la trentaine, la moyenne. La moyenne des gens qui me regardent sur le chat, c'est 30 ans. Trop bien. Ah, t'es né le 29 mars, sérieux? Bah, ça va être super facile à retenir, du coup. Ne m'oubliez pas. Oboe tokimasu ne watashi mo. Génération Dorothée sont dessinées. Mais il y a, en vrai, hein, je pense que la moyenne, c'est 30 ans dans le chat. C'est pas un truc de fou pour Twitch? C'est trop bien. Bon, attendez, les gens, parce qu'il nous faut... Attendez. Il y a le blabla, comme d'hab, là. Nanana. On met quoi comme sub-goal? Vous voulez quoi comme activité? Parce que je sais pas quoi vous faire, je vous jure. Qu'est-ce qui vous donnerait envie? Est-ce que, vous, je sais pas, vous voulez savoir des trucs de ma vie, peut-être? Je sais pas. Qu'est-ce que je sais faire? Parce que tout ce qui est loisirs créatifs, je le fais déjà. Karaoké, c'est parce qu'il y a ce truc de karaoké. Il y a, je sais pas, un live Just Dance. Je sais qu'à un moment, il y avait le Just Dance sur la chaîne, mais... Mais ouais, c'est ça, Anto, je pense pareil. C'est quoi? C'est quoi ce pseudo, please? Comment va Alain? Alain Akubar. Akubar 1. Follow sécurité, arigato gozaimasu. Sur notre channel, yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Une rencontre sub irréelle. Ah, mais les gens, j'aimerais trop, mais voilà, moi, je peux aller que sur l'île. Voilà, ceux de l'île, ouais, y a pas de souci. Mais je peux pas aller autre part. Du coup, de cours en cosplay, une rencontre en 2032 post-Covid, ça serait cool. Je vous jure, hein, ça serait trop trop cool. Mais ça, je pense que si on doit faire une rencontre, bah, ce sera à la Japan Expo. Premièrement, parce que d'ici là, je pense que j'aurai peut-être un stand. Donc, j'y serai les 4 jours. Et ça pourrait être cool. Lille, je sais que je peux le faire quand je veux, entre guillemets. Même si Covid et tout tralala, tant qu'on respecte toute la sécurité, ça va. Mais aller dans d'autres villes, là, c'est un peu mort. Mais voilà, quoi. On se reconnaît entre Lillois, mais oui. Et oui, Anto, moi, évidemment, pareil, la Belgique, c'est seulement si je fais la MIA. Donc, évidemment, à ce moment-là, en général, je le fais du week-end, soit du samedi, soit du dimanche, de toute manière. Pour le moment, la Japan Expo 2021 n'est pas encore annulée. Alors, ouais, du coup, si cette année, c'est pas annulé, je sais pas si j'irai, parce que c'est peut-être prendre des risques inutiles. Mais, ouais, plutôt pour l'année prochaine, je pense. Mais c'est compliqué, hein. Moi, si j'ai envie de vous voir, les gens, vous savez. Lille, c'est très bien. C'est pour... l'immunité collective, tout ça, tout ça. Je sais pas, j'en doute. Tu viens de me rappeler que je dois encore postuler pour... tu veux faire quoi, Pure Nouvelle à Japan? Tu me rappelleras dans 15 jours un coup que j'aurais été contaminée par tous les vieux qui viennent se faire vacciner. Man. Nadé, Kalinours. Donc, je sais pas. Bon, le sub-goal, j'ai toujours pas d'idée. On avance, on sait pas vers où et vers quoi, mais on avance. Qu'est-ce que... Je sais pas, Mizuki, t'as envie de quoi? C'est toi qui... J'ai l'impression que tu... Bon, ouais, hein, tu as le classement top 1. Qu'est-ce qui donne envie? Tu as toujours pas fait ton cours déguisé en Julien Fontanier? Non, parce que je n'ai toujours pas de chemise. Je n'ai pas de chemise, je ne vais pas dans les magasins. Ah, pour être interprète, Naruhodo, peut-être, enfin. Il faut que je le fasse, mais je le ferai peut-être pendant... les vacances, je sais pas, faut que j'aille acheter une chemise, quoi. Et j'ai toujours pas de moustache non plus, ça c'est vrai. Mais ça, je ferai ça proprement dans un petit carton et je la mettrai comme ça. Ça serait très drôle. Oh là là, honnêtement, ce que je veux, que tu continues de nous enseigner et que tu ne changes pas. Mon la vue, beaucoup trop chou, Mizuki. Kawaii Sugidan. Tu es en quelle classe, comme j'ai cru comprendre que tu es étudiante? Alors moi, je suis en première année de master à l'université de Lille. Oh, mais c'est quoi tous ces pseudos? C'est qui crée des comptes? Il y a forcément quelqu'un qui crée des comptes, là, pour venir follow.
Merci à toi, mais bon, voilà. On va t'appeler Tada. Tada-chan. Tada-chan. Follow してくれてありがとうございます。あの、そのチャンネルようこそ。Bienvenue sur la chaîne. Bon, bref, on réfléchira à ça plus tard. On va commencer par s'entraîner, peut-être. Ah, merci beaucoup, Tenzo Maho. Merci pour les 100 bits, c'est trop gentil. Nihongo, shite kurete, arigato. Et nani ga? Tada-san, arigato. Se fait target par les trolls. Mais oui, pourquoi? J'ai pas compris. Genre, ma chaîne est potentiellement intéressante pour les trolls, je sais pas. Mes prochaines vacances, je reviens sur l'île. Yay! Yokatta desu! Yokatta! Yokatta! Et oui, Grim, tu arrives juste au moment où on va commencer. Alors, vous l'aurez compris, on l'a fait beaucoup de fois cette semaine, mais c'est la dernière fois que je vous ferai faire de la conjugaison en masse. Donc, j'espère que ce dernier exercice va vous être utile et va vraiment consolider la nouvelle conjugaison. Parce que après. Oh! Merci les gens, merci Polo Camp. C'est son 5e mois d'abonnement, dont 5 mois consécutifs. Vous vous rendez compte, il est venu, il a sub et tous les mois il a sub. Je veux des clap, clap, clap dans les chats. Clap, clap, clap dans les chats. Je veux des clap, clap, clap dans les chats. Mettez-moi une vague de clap. Une vague de clap. Pour Polo Camp, merci beaucoup. Et on en profite pour Tenjo Maho aussi, hein, pour les 100 bits. C'est vrai que je ne demande pas, mais. Arigato gozaimasu, minasan. Yasashi desu. Merci beaucoup, Zediscus, pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu sur notre channel. Yokoso, bienvenue sur la chaîne. Et Grim, ouais, tu pourras proposer ton verbe. Pas de souci. Est-ce que vous êtes tous prêts? Est-ce qu'on peut commencer à faire de la conjugaison? Mina, daijoubi desu ka? Failli être en retard. C'est bon, tu n'es pas en retard. J'offre un bis pour le cosplay de Gia Fontané. Comprendra qui pourra. Hein? Quoi? Ah, j'ai compris. Merci, il m'en manquait une. Du coup, j'ai compris. Mais fallait dire une. J'aurais compris tout de suite. Ah non. Salut, je croyais avoir follow à l'époque. Ah, Mandai Nai, y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est gentil de follow, du coup. Ça marche comment, la conjugaison? Alors, justement, on va voir un premier exemple pour rappeler la mémoire, rafraîchir la mémoire à tout le monde. Donc, premier verbe. Hiraku, est-ce que vous pouvez me dire, alors je vais faire les traits comme d'habitude, est-ce que vous pouvez me dire tout d'abord le groupe de ce verbe? Est-ce que c'est un ichidan, un godan ou un irrégulier? Premièrement. So desu ne, hai, ichi gurupu godan desu yo ne, sore wa godan, hiraku, ouvrir. Oh! Mizuki, quoi? Mais non, on vient de commencer, c'est pas possible! Merci beaucoup pour le train de la hype! Tchou, tchou, c'est le train de la hype! Je vais faire un tout petit, comme ça il ira pas trop loin! Tchou, tchou, c'est le train de la hype! Tchou, tchou, c'est le train de la hype! Merci beaucoup du coup pour le sub gif à je sais pas écrire! C'est très gentil pour lui! Arigato! Bah si, du coup! Hiraku. Merci beaucoup pour les pistes. Hein, vous êtes adorables les gens. Pas déjà le train de live, mais. Non, mais non, Mizuki. Daijoubu desu yo, daijoubu desu. Daijoubu, daijoubu. Shinai de kudasai yo. Azukashi sugi. Mizuki, c'est le Nihon no Père Noël. Mais oui, beaucoup trop chou. On continue. J'ai pas envie de vous donner envie. Du coup, on continue. Ah, je me sens trop redevable après. Donc, hiraku a la forme non accomplie affirmatif. J'ouvre. Comment on dit? J'ai perdu mon sub et mon prime. Et pour aujourd'hui, je suspends. Le suspect, c'est intense. Hein? Ça va pas recommencer. C'est pas possible. Merci beaucoup, Mizuki. Mon Dieu, mais j'ai trop mal au cœur. Mais ne dépense pas ton argent comme ça. Ah, mais non, il faut pas vraiment.
Mais il y a Daijoubu desu. Merci Mizuki, mais il faut pas. Mais il faut pas, vraiment. Ah, yamete kudasai yo. Il faut pas, daijoubu desu yo. Ah non, vous êtes trop chou. Mais Mizuki, j'ai l'impression, peu importe ce que je vais lui dire, en mode, non mais laisse-moi tranquille en fait, je veux faire des sub-gifs, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai vraiment l'impression qu'il est comme ça derrière son écran. Oh non! Bah oui, évidemment que le Yamete Kudasai, il est sorti. Je sais pas, je me sens trop redevable, c'est... Ah oh. Non Mizuki, daijoubu desu yo, t'inquiète pas, daijoubu desu. Juste follow et suivre le cours, c'est... Ah, le Prime est là! Merci beaucoup, Pshurdoum! Arigato, potato-san! Arigato! Daisuki desu! Arigato! Oh là là, vous êtes trop chou, les gens! Mon... Kokoro ga ne! Mon cœur, il peut pas supporter tout ça! Il peut pas, je vous dis! Le cours qui commence à 20h. Heureusement qu'on peut faire qu'un train de la hype. Sinon, je pense qu'avec Mizuki dans les parages, c'est... Eh, moi, je suis pas là pour apprendre le japonais. Je veux faire des trains de la hype. Je suis sûr, Mizuki, c'est ça ton objectif. Ah oh, non. Oh, Mina Yasashisugi. Bon. Il rigole en plus. Ah, ah, arigato gozaimasu. Merci, Wasabi. Oh, vous savez, on va laisser passer le train de la hype. Écoutez, alors, à chaque fois qu'il y a un sub, je vous dis quelque chose de personnel. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que ça vous va? Comme ça, peut-être que vous voulez pas savoir ma vie et ça freinera les gens d'en faire. Mais non, t'y mets pas non plus, toi. Yamete kudasai. Je sens que tu vas me ban parce que je sub trop. Mais vous êtes sérieux, c'est pas possible, hein. Alors attendez, parce que je dois dire des trucs personnels. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de personnel? Je sais pas. Du coup, je sais pas quoi vous dire. C'est un stripe poker de ta vie, c'est ça? Bah écoutez, il faut bien que... Je me sens trop redevable. Il faut que je vous donne quelque chose, genre, de valeur identique. J'ai mangé quoi ce midi? On a mangé quoi ce midi? On a mangé quoi? On a mangé des spaghettis avec on a mangé des spaghettis sauce tomate avec de la saucisse et des merguez. Oh non! Attendez, j'ai trop de trucs à vous dire. Je sais pas. Bon, mon âge, vous le savez déjà. J'ai 22 ans. Qu'est-ce que je dois dire sur ma vie personnelle? Je sais pas. Oh, tu te fous de moi, Pshurdoum? Je t'ai dit que tu pouvais venir si tu voulais. Merci pour les pins, tout le monde. Ah là là, j'en oublie mes politesses. Je suis quelqu'un d'apoli, apparemment. Mon deuxième prénom, c'est René. De ma grand-mère. J'ai les prénoms de mes deux grand-mères. René et Marika. Nani Gaikana? Est-ce que je suis déjà allée au Japon? Oui, je suis déjà... Oh, j'ai glissé que tu dis, mais hey, please. Je suis déjà allée 3 fois au Japon, une fois quand j'étais en terminale pendant 3 semaines, une fois pendant 1 an à l'université Yamaguchi, et une fois l'année dernière en février, donc là actuellement il y a 1 an j'étais au Japon pour faire du tourisme. Merci tout le monde, niveau 3 terminé, arrêtez hein, pas de niveau 5 hein, il n'y a pas de record à battre hein, je veux pas de ça ici. Plus Candy donne des infos sur elle, plus les dons augmentent on dirait, mais c'est pas le but. Mais je suis obligée de vous dire des trucs parce que je me sens trop redevable, vraiment. Vraiment, je suis en mode, il faut que je fasse quelque chose en contrepartie parce que ça va pas. Merci tout le monde. Tu étais bonne élève en première année de fac. Alors, j'ai toujours été bonne élève, peu importe l'école. Et à la fac, j'ai toujours eu 14 de moyenne, donc toujours une mention bien. Et également au lycée et au collège. Au collège, j'étais dans les très très bonnes élèves avec des 16 et 17 de moyenne. Et au lycée, ça a un peu redescendu et j'étais entre plus du 13-15 de moyenne à chaque fois. Et la fac, mes 3 années, j'ai eu 14. J'étais en mode, c'est bon, c'est tout ce que je veux. Le master, j'aimerais bien avoir au-dessus, mais c'est compliqué. Merci beaucoup, les gens. C'était 202%, ce n'est pas à rattraper, je précise. As-tu toujours vécu à Lille? Alors, en gros, je suis pas née dans le Nord, je suis née dans l'Aube à 3, donc je suis une Troyenne de cœur. J'y ai vécu au moins 8 ans. Merci beaucoup, Choupinou, pour le Prime. À quand l'autobiographie de Candy avec une bouteille de Volvic offerte? Ce serait tellement drôle. Eh, les gens, oh, je sais ce qu'on va faire.
est-ce que pour les 200 sub-goals, vous voulez qu'on crée une page Wikipédia à pronoms japonais? Ça serait pas top de faire ça ensemble en live? Qu'est-ce que vous en dites? L'idée, elle vient de pop comme ça parce qu'on avait déjà parlé pour rigoler en vocal. Donc, je suis née à Troyes. Pendant une petite dizaine d'années, j'y ai vécu quand j'étais enfant. Après, on a déménagé 2 ans dans le Nord-Pas-de-Calais. Et après ces 2 ans, on a déménagé dans le Nord. Et le Nord, donc moi, j'habite du côté de Lille, hein, plus de la frontière belge. Et pour mes études, j'ai vécu pas mal de fois à Lille. Et après, bah, je suis revenue à Valenciennes où j'ai fait mon lycée. En fait, j'habite juste à côté du lycée où j'ai fait ma LV3 japonais. Les andouillettes, ah c'est la vie, je n'aime pas les andouillettes, désolée. Depuis quand maintenant elle parle comme chat? Ah et depuis maintenant elle parle comme chat, c'est ça. L'étoile sur Hollywood Boulevard, non. On peut faire un skyblog, non, franchement une page Wikipédia c'est plus classe. Je suis en partie fautive de son accent. Ouais, tu m'étonnes, toi. Et Maëva, si t'es là, oh, depuis que je te connais, je suis en totale imitation involontaire de comment tu parles. C'est fou. C'est fou. Ah non, merci beaucoup les gens pour le train de live, vous êtes adorables. Du coup, j'espère que c'est une bonne compensation pour vous. Faut qu'il y ait des articles de journée à propos de ta chaîne pour que ta page Wikipédia soit approuvée. C'est vrai, Barmok? C'est mon Uva, c'est grosso modo Uva. Ah, j'ai jamais regardé du coup comment on fait un Wikipédia, mais si c'est possible, sincèrement, un sub-goal à 200, on fait la page Wikipédia à prénom japonais. Et genre avec évidemment la biographie de Candice Vandeville, genre, Watashi, ça serait trop drôle. On l'écrirait ensemble, ça serait trop bien, non? T'inquiète pas, des sources, j'en ai plein. J'ai les campagnes Ulule et tout. En vrai, ça, je pense que ça peut passer avec les campagnes Ulule, hein, vu que c'est quelque chose d'assez officiel. En plus, je suis référencée, je suis une entreprise, du coup, ça devrait le faire. La célébrité d'ici quelques mois, moi, je dis non. Il y a bien des pages Wikipédia sur tout et n'importe quoi. Donc bon... J'ai réussi à retarder le cours encore une fois, mission réussie. Ah, je vous jure, vous êtes pas possible. Il y a un youtubeur sur Twitch qui attend sa page Wikipédia et apparemment c'est ce qu'il faut. Une rencontre avec Julien Fontanier. Mais Julien Fontanier, il sait même pas que j'existe ou alors il me snob totalement. Donc c'est pas possible. C'est clairement pas possible. J'aimerais bien, mais... Ah, merci beaucoup, Rahashi. Merci beaucoup pour ton follow. Enfin, ton sub, excuse-moi. Oh là là, clap, 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 tout le monde. Merci beaucoup. Vous êtes adorables, les gens. Je suis contente. Le record n'est pas battu. Franchement, je serais beaucoup trop redevable. Mais merci. Niveau 4, 57%, c'est déjà énorme. Mais vous êtes fous. Vous êtes vraiment fous. Une rencontre avec quelqu'un d'autre qui te snob pas. Bah, j'aimerais trop, hein. Je sais pas qui, mais j'aimerais trop. Ah, arigato gozaimasu, minasan. Merci pour le train de la hype. Merci beaucoup. Vous êtes adorables, vous êtes des amours. Oh là là. Bon. C'est bon, maintenant le train de la hype est fini. On reprend le cours. On est dissipé là, on est dissipé. On se reconcentre, les enfants. Mais je dis ça, mais merci infiniment pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Genre, ça fait tellement peu de temps que j'en espérais pas autant et que du coup, je sais pas quoi dire ni quoi faire, mais merci. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais tout ce que je gagne avec Twitch, je vais à l'avenir essayer de le remettre dans Twitch. Hein. La caméra, tout ça, payer des artistes pour faire de jolis overlays. Mais voilà. T'aurais dû m'appeler avant. probablement. Ah, tu, c'était le train de la hype. C'est normal d'apporter un petit soutien vu le travail donné en amont de préparation. Vous êtes jolie. Vous êtes jolie aussi, mais vous êtes gentille. Ah non, Tenjomaro. C'est pas grave, c'est de l'exercice. Dai, je veux. Ah, du coup, Hiraku et Akeru, c'est la même chose. Du coup, les deux veulent dire ouvrir. Oh, Hiraku...
Oh, Akelu, oui, c'est plus ou moins la même chose. Je sais pas trop la différence, mais on va sortir d'NTG Show, hein, magique. Les deux veulent dire ouvrir, mais Akelu. Alors, en attendant, je vous laisse donner les conjugaisons, le temps que je cherche. Ah, c'est pas la même chose, parce qu'on peut dire ga hiraku, donc transitif à transitif, mais on peut dire aussi o. Donc c'est compliqué. Parce que tu es la toute première personne à qui je lâche un sub. Oh, du coup, ça fait encore plus plaisir. Merci beaucoup. C'est trop chou. Ah, vous êtes adorable. Mais mon Dieu, avec tous les bits et toutes les subs, mais... Qu'est-ce que je vais faire de ça? J'en fais quoi? j'investis dans le concours que je dois faire. Vous allez, grâce à ça, être content. Ah, donc c'était ça, pure nouvelle. Mais on peut aussi dire « Ohiraku », du coup, c'est pour ça que ça m'a perturbée. On peut dire « Kokora »,« Kokoro Ohiraku », »,« Ouvrir son cœur à quelqu'un ».« Doa Ohiraku », »,« Ouvrir la porte ». Apparemment, on peut dans mon dictionnaire. Du coup... Ah, coucou Maeva, t'étais là. On parlait de toi, justement. Tu es ma première fois. J'en suis honorée. Oh non. Je suis contente d'être la première fois de quelqu'un en sub, hein, je vous le dis, hein, je suis fière. Hein. Oh merde, Amazon Prime avec... D'accord, on va changer ça, on va changer. Ah, Naruhodo, Purnob, Naruhodo. On parlait de l'accent du Nord, et que je disais que clairement, depuis que je t'ai rencontré, j'avais tendance inconsciemment à t'imiter et du coup à prendre ton accent. Ah non. Ouvrir son cœur, on peut le dire, mais faire, c'est dangereux, c'est vrai. Ce mot, il va, le là. Bon, les gens, j'ouvre quelque chose. Enfin, s'ouvrir plutôt. Sympa les cours de japonais, mais oui. Mais en fait, tu viens de louper un train de la hype. Et je me sentais redevable envers les gens. Et du coup, je disais des trucs de ma vie. Du coup, bah, dedans, on parlait de mon accent et du fait que je suis à Troyes, mais que je suis dans le Nord, etc. J'ai loupé, bah oui. Sans. Allez les gens, on se reconcentre. Là, ça fait déjà 42 minutes que ça tourne, on n'a rien fait du tout. Je vous jure, c'est pas possible. J'ouvre. Dit-il, Mizuki. Dit-il. Moi, je suis née à 4. Évidemment. So. Godan, ici. Hiraku et hirakimas. Hirakimas. Au passé, j'ai ouvert. Ça donne quoi? J'ai ouvert. Parce que j'ai loupé le train de la hype. T'es adorable, Maeva. Labou. C'est beaucoup trop chou. Merci beaucoup pour les 100 bits. Arigato gozaimasu. So, le passé. Hiraki mashita. La forme négative, du coup, non accomplie. Je n'ouvre pas. Encore merci les gens pour tous vos bits et vos subs et vos follow. Rendez-vous compte qu'on est à 1677 et que la semaine prochaine, je suis sûre, on a les 1750. Ça va tellement vite. Oh, ça va trop vite. So. Hirakimasen. Et le passé, négatif. Je n'ai pas ouvert. Ou ça ne s'ouvrait pas. Hai, so desu. So desu ne. Hirakimasen deshita. Très bien. Verbe suivant. Isogu, se dépêcher, se grouiller. Quelle catégorie? Ichidan, godan, irrégulier. Ou, pour ceux qui sont avec les groupes, ichigurupu, nigurupu, sangurupu. Nan desu ka? Hai, so desu. Ichigurupu desu ne, godan desu ne, godan. Alors, je me dépêche, il se dépêche au présent affirmatif, ça se donne quoi?
Hoi 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 hoi. Hai, so desu ne. Isogimasu. Isogimasu. Hai, isogimasu. Le passé, il s'est dépêché. Oh, so desu ne. Hai, hai. Bien joué. Isogimashita. Isogimashita. Le non accompli négatif, il ne se dépêche pas. Ah ouais, vous avez l'air. Ceux qui sont dans le chat, en tout cas, ça a l'air d'être compris. Je sais pas si les autres le font et ont la flemme d'écrire. J'espère que ça va. Mais en effet, isogimasen. Et pour l'accompli négatif, il ne s'est pas dépêché. Vous allez bien? Bah ça va super et toi Nei? Comment tu vas? Genki desu ka? So desu ne. Isogimasen deshita. Très bien, très très bien. Verbe suivant. Suru, faire. Il fait partie de quel groupe? Ichidan, godan ou irrégulier? Ichi groupe, ni groupe, san groupe desu ka? Nan no groupe desu ka? Hai, so desu ne. C'est un irrégulier. Hai. Du coup, non accompli affirmatif, ça donne quoi? Ah, j'ai un truc dans l'œil. Attendez. Chotomate kudasai. Attendez, j'ai un truc dans l'œil et ça fait pas du bien. Alors, on va humidifier ça. Je crois que j'ai mon œil qui est plus assez humidifié. C'est ça. Shimas. Au passé, ça donne quoi? Désolé, on dirait un pirate. Est-ce que je fais un bon pirate? Oh, bien joué tout le monde. So desu ne. Hai. Shimashita. Non accompli négatif, ça donnerait quoi? Désolée pour le bruit du micro, mais... Hai, so desu ne, shimasen. Et passé négatif, accompli négatif. Merci beaucoup, Ilias BGIA, pour ton follow shite kurete arigato gozaimasu. Sur notre channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé notre chaîne? Dis-nous tout. Hai, shimasen deshita. Très bien, les gens. Verbe suivant. Kaouf. C'est quelle catégorie? Ichidan, godan, irrégulier. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Baka Elo. Merci beaucoup pour ton follow. J'adore ton pseudo, du coup. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Sur notre channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment nous as-tu trouvé? Hai, sore wa godan desu ne. C'est un godan. Très bien. Non accompli affirmatif. Allez, on accélère le rythme, là. Voilà la chanson pour accélérer le rythme. J'achète. Comment dis-je j'achète? Hai, so desu ne. Kaimasu. Le passé cette fois-ci. J'ai acheté. Accélérer le rythme, moi je pense à la musique de Mario quand il accélère de 100 secondes. Ah, Tashikani. Je serais incapable de la fredonner, mais oui. Hai, so desu ne, kaimashita. La forme négative d'un accompli, je n'achète pas. Ça donnera quoi? Ah, so desu ne, minasan, subarashi. C'est ça, très bien tout le monde. Kaimasen.
Kaimasen. Et le dernier, accompli négatif, je n'ai pas acheté. Je viens de Bretagne, j'ai fait 3 ans de japonais et j'ai trouvé par hasard. Ça me fait plaisir de voir des personnes sur Twitch qui permettent une compréhension orale, car c'est pas simple à apprendre. Bravo à toi. Bah merci, c'est trop gentil. Alors ce genre de commentaire, je fonds intérieurement, je trouve ça adorable. Merci d'avoir follow, c'est le geste, on va dire, qui voilà quoi. Sans follow, bah personne serait là et personne pourrait profiter, donc ça me fait plaisir. Et bah écoute, j'espère que t'as pas trop perdu ton japonais. C'était quoi au niveau JLPT, Bakaero, à peu près. So. Et du coup, pour la grammaire, Kaimasen deshita. Très bien. Il en reste encore un, je crois, de verbe. Yameru, arrêter. C'est le fameux Yamete kudasai, hein, Yameru. C'est quel groupe? Merci beaucoup, New198, pour ton follow. Follow shite kurete, arigato gozaimasu. Sono channel, yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment nous as-tu trouvé? Dis-nous. Tout. Dis tout au motinobi que nous sommes. Les ninjas ont besoin d'informations. Et il reste celui de Grimm, c'est vrai. Sodesne, sore wa ichidan. Ichidan desne, c'est un ichidan. Alors, non accompli affirmatif. J'arrête. Comment on dit j'arrête en japonais, à la forme polie? C'est tout récent, je continue en autonomie. Je fais un mémoire sur l'évolution du paysage japonais à travers les sakulas. Du coup, il faut bien que je pratique toujours. Ah, mais trop bien! Oh là là! Alors, bon, je suis en première année de master aussi. Du coup, je peux voir se comprendre à peu près. Voilà, tout ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, notamment Bakaelo, du coup, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je t'avoue que ça m'intéresse comme sujet. Du coup, si un jour on a l'occasion d'en parler, ça me ferait plaisir. Bonsoir Space, comment tu vas? Sinon, voilà, pour la conjugaison, yamemas, j'arrête, yamemas. Au passé, comment on dit j'ai arrêté? Mina subarashi. Je suis contente parce que vous avez l'air tous de bien avoir retenu la forme en masse. Et ça, c'est cool. Et sono kanji wa pure noob. kore wa yameru no kanji? Watashi wa shiranai dakedo. Yameru no kanji? Shiranakatta, itsumo hiragane de kaitetan dakedo. Ah, naruhodo, naruhodo. So desu ne, yamemashita, yamemashita. Forme non accomplie négative, je n'arrête pas. Et ja kyo wa oboe nakereba naranai kanji desu ne, yappari. C'est un kanji que je dois retenir aujourd'hui, du coup. C'est la langue et kalae. Ah, janai kana. Ah, je vois pas trop. Amari mitenai. Yoku mitenai dakedo. So desu ne, minasan. Yamemasen. Yamemasen. Très bien. Et la forme accomplie négative. Je n'ai pas arrêté au passé. Après, il est un peu différent. Te prends pas la tête avec. Ah! Ah, so, wakatta. Kashikomarimashita. Mizuki wa gift o yamemasen. Elle est excellente, cette phrase. So desu ne. Hai, so desu. Yamemasen deshita. Yamemasen deshita. Bien joué, tout le monde. Bien joué pour la conjugaison. Je pense qu'on a fini. Mais il nous reste le verbe de Grimm. Grimm, quel est le verbe que tu veux nous donner? Omedetou minasan, yoku ganbarimashita ne, kanpeki deshita. C'était excellent. Vous méritez des clap 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 de votre sensei. C'est les dernières fois qu'on fera de la conjugaison, plus ou moins, donc clap clap clap. Hosuru, hosuru. Alors les gens, hosuru, godan, ichidan ou irrégulier? Enfin, premier groupe, deuxième groupe ou troisième groupe? Je faisais juste un petit tour car je dois bosser. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que je partagerai tout ça. Je suis un partisan, donc bon. Daijoubu desu. Bonne soirée à toi et à tout le monde. Merci à toi. Merci beaucoup, Bakaelo, d'être passé. Ça fait super plaisir pour ton commentaire, surtout. Merci infiniment. Et puis, à une prochaine, je l'espère, peut-être sur Discord ou sur la chaîne Twitch. Bye bye. Pour moi, Osuru est également un Godan. Hein. Osuru Godan. De toute façon, c'est lu, hein, ulu, donc il n'y a pas de question à se poser. Est-ce que vous pouvez me le conjuguer correctement?
Des mots osuruwa. Hoshi no koto desu yo ne. Oh, merci beaucoup, Nona Imedia, pour le Prime. Arigato gozaimashita. Torok shite kurete arigato. Merci beaucoup, les gens, ça mérite des clap, clap, clap également. C'est pas un verbe en suru, hein. C'est en osuru, osuru. C'est pas suru. Je pense pas que ça soit. So desu ne. C'est pas suru, hein, le verbe. C'est suru, vous croyez? Ah, suru, déjà, tashikani, suru mitai ne. Hosuru, hoshimas, hoshimashita, hoshimashen. Oh, du coup, je fais le shoshoshu. Ah, naruhodo ne. Ah, donc c'est pour ça, Grim, que tu voulais le donner. Naruhodo ne. Donc il se conjugue comme suru, en irrégulier. Enjane. C'est parce que je ne l'ai pas vu en kanji, je pense. Yameru, c'est plus tout ce qui touche à l'emploi, arrêter de travailler. Shigoto ou yameru. Pour yameru, c'est pour autre chose. Arrêter de boire ou arrêter de fumer. Ah, sodesne. Et le kanji, de toute façon, c'est tomelu, hein, il me semble. Donc, c'est arrêter quelque chose, stopper quelque chose. C'est parce que, pour moi, osuru, c'était un... C'est pas en suru, vu que c'était os, petite su, su, plus lu. Mais, naruhodo ne, naruhodo. Du coup, non, en fait, c'est hoshimasu, hoshimasu, c'est le suru qui se conjugue. Hoshimasu, hoshimasen, hoshimashita, hoshimashen deshita. Chachacha, je chuchote comme ça, c'est comme si j'avais une patate chaude dans ma bouche. C'est compliqué comme verbe. De rien, Grim, de rien. Du coup, tu vois, même moi, vu que je ne connaissais pas ce verbe, je me suis plantée. Sodesne, yapari, hosuru. C'est parce que c'est le kanji de Roshi, justement. Donc, mon instinct était bon, mais en même temps, un peu détraqué. Ah, bon appétit à toi, pure noob. Bye bye, mata ato de ne. Bon appétit. Bon, exercice 2, les gens. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je vous ai fait une phrase d'exemple pour vous expliquer le deuxième exercice. Ici, vous avez un verbe avec un type de conjugaison et un nom. Et le but, c'est de faire une phrase avec un COD. Donc ici, vous avez le verbe yomu que vous devez conjuguer au non accompli négatif avec le nom ron pour faire une phrase. C'est marqué juste en dessous là, NA non accompli. Le non accompli, c'est présent futur. Vous devez faire une phrase que j'attends dans le chat, du coup en japonais, et me dire en français potentiellement ce qu'elle veut dire. Attention, on est sur de la négation. Oui. Yomu qui veut dire lire, hon qui veut dire livre. Autrement dit, je vous aide, hein, c'est la première phrase. Vous devez me faire ceci. Hon o yomimasen. Je ne lis pas de livre. So, so, so. Yomimasen. Hon o yomimasen. Très bien, tout le monde. So, so, so. Je ne lis pas de livre. Je vous remontre, hein. Vous avez le verbe yomu à la forme du dictionnaire. Vous devez le conjuguer en forme polie non accomplie négative. Donc, ne pas. Et le mettre avec le nom hon. Donc, en COD, hein. Là, on travaille les phrases en COD, donc avec la particule O. Ça nous fait « Hon o yomimasen ».« Hon o yomimasen ». Je ne lis pas de livre. Ah, kambawa, Niel, comment tu vas? Est-ce que l'exercice est compris? Et est-ce que, si oui, on peut passer au vrai premier exercice? Daijoubu no desu ka? Wakatta? Ah, wakatta. Ja. Tsugi ikimasu. Kaku à la forme accomplie affirmative avec le nom tegami. Que veut dire kaku? Que veut dire tegami? Et en japonais, quelle phrase obtenez-vous? Je vais boire un coup, excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Ah, so desu ne. Oh, bien joué. So, 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 so. Vous avez compris. Kaku ici, c'est le verbe écrire. Et tegami, c'est une lettre.
Et donc, en japonais, j'ai... Ah, oh, attends, au karaoké, je peux la chanter, celle-là. Je suis en train de vous faire un fichier, faut que je vous montre après. Faut que je la mette parce que je sais la chanter. Et elle est trop bien. J'ai écrit une lettre, il y a un mois peut-être, arrivé par erreur. Maladresse de facteur, aspergé de parfum. J'adore cette chanson en plus. Et donc, kaku, c'est écrire. Tegami, c'est une lettre. Et ça nous donne Tegami o kakimashita, au passé accompli. J'ai écrit une lettre. Tegami o kakimashita. So desu. So. Hai, so desu ne, minasan. Kanpeki desu. Attendez, est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'ai l'impression d'être un peu rapide aujourd'hui. Daijoubu desu ka? Minasan. Faut me dire oui ou non dans le chat pour savoir si je peux passer à la suite. Oui, ok. Et jatsugi. Benkyo suru à la forme non accomplie affirmative avec furensu go. Tsugi. Tsugi ikimasu. Alors, benkyo suru à la forme non accomplie affirmative. Donc, je fais quelque chose. Et furensu go. Ah mais oui, non, I'm idea. C'est pour ça qu'on s'exerce. Parce que... c'est quelque chose que vous allez devoir savoir faire. Ah, so desu ne. Et encore là, je vous ai pas mis je fais des choses à telle date, pendant telle journée. Là, ça va être des phrases de plus en plus longues après, vous verrez. Ça va être marrant. Ça va être rigolo. Est-ce rigolo le japonais? Hai, so desu ne, minasan. Furensu go o benkyo shimasu. Furensu go o. Benkyo shimasu. J'étudie le français. Hai. Furensu go, la langue française. Benkyo suru, benkyo shimasu. Étudier. Ima, nihongo, benkyo shite imasu ne. So, demo, ima wa, nihongo, benkyo shite imasu ne. J'étudie sans S, évidemment. Je vois pas de quoi tu parles. Il n'existe pas. oui, Nei, vas-y, je t'en prie, dis-moi. Sensei-san, pardon. Daijoubu desu yo. Désolé les gens, j'ai pas fait attention, j'ai pas eu le temps de me relire aujourd'hui non plus. J'ai pas corrigé. Faut que je revoie tellement mes conjugaisons en plus, ça c'est un truc que j'ai pas travaillé depuis la primaire. C'est tout au feeling avec moi. Dis-moi Nei, dis-moi ta question, vas-y. En attendant, je profite. Parce que j'ai encore mal à l'œil. Alors, il y a deux équipes, Nei. Soit tu utilises O, soit tu utilises WO quand tu vas le retranscrire en l'omaji. Moi, je suis plus partisante de juste O, parce que l'omaji, je privilégie la prononciation quand il s'agit de particules, comme pour konnichiwa ou quand on dit watashiwa, je vais écrire WA. Mais écrire WO en l'omaji, c'est possible également. Je fais un coucou sensei, je reste pas, je suis vraiment très fatiguée. Oh non, nadé space, j'espère que... Faut te reposer alors. Faut que tu te reposes. Yasunde kudasai. Ne? Mon cerveau est HS. Ah, naruhodo ne? Donc voilà, alors on m'a dit, tu peux faire les deux. Moi j'ai fait souvent, quand il s'agit de particules, la prononciation et non pas le caractère. Donc j'écris O et j'écris WA, par exemple. Et j'écris E, un E pour HE. Moi, dans mon mémoire, par exemple, c'est comment dire, la retranscription que j'utilise. À quand l'emoji nadé? L'emoji nadé, bah, ça sera quand on sera partenaire. Est-ce qu'on n'a plus de place? Il n'y a plus de place dans les emotes. Jatsugi kimasu. Abiru. À la forme accomplie négative avec le nom shawa. Abiru. Accompli négatif. Shawa. Mais ouais, l'emoji nadé, il va venir, c'est obligé. Ah, re Kaitu. On peut pas utiliser no
Qu'est-ce que quoi? Sont dessinés, Anto. Sont dessinés. Hi. Abiru, c'est tout ce qui est en lien avec l'eau, donc asperger d'eau, rincer, etc. Et Shawa, c'est pour la douche. Et donc, ensemble, ça nous donne le verbe en français se doucher, hein. Et en japonais, on obtient Shawa o abimasen deshita. Je ne me suis pas lavé. Je ne me suis pas lavé. Et comme nous dit Anto, et ça fouette. Ils sont dessinés. Shawa o abimasen deshita. Le je n'ai pas fait quelque chose. Ce quelque chose, c'est abiru. Avec le nom Shawa. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est prendre ma douche. Shawa o abimasen deshita. Je ne me suis pas lavé. Shawa o abimasen deshita. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi si je suis trop rapide. Hein. Je n'ai pas pris de douche, ça passe aussi. Oui. Hein. C'est le fait de se laver, de se doucher. Donc après, en français, tous les synonymes qui vont avec, c'est bon. Un CCM, ça veut dire quoi CCM? Oshiete kudasai, seimasan. Atasu wa furensu go hetasugi nanode. Comment tu sais ça, toi? T'as été chercher sur internet. Mouais. Mouais. Complément circonstanciel de moyen. D'accord. Du coup, je vois pas. Mais c'est pas grave. J'irai sur Google pour comprendre. Cette confiance au sein du couple. Non, mais j'ai pas l'habitude qu'ils sortent des trucs intelligents alors. En gros, c'est la particule D. Mais du coup, c'est pour ça que je comprends pas. Parce qu'en japonais, c'est D. Mais là, on peut mettre O. Donc c'est pour ça que ça me perturbe. On dit pas Shawa D abimasen deshita. Comment il prend cher? Eh les gens, il prend pas cher. Hein. C'est la stricte vérité. Hein. C'est tout. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. Je dis juste la vérité. Hein? Parce que c'est Shawa o abiru, se laver. Donc en japonais, c'est un COD. Mais si en français, c'est un CCM. Mais c'est bizarre parce qu'en japonais, un CCM, c'est avec la particule D. Si j'ai bien compris à quoi ça sert. D'accord, oui, donc d'accord. Wakarimashita. Ah, narihodo. Narihodo, c'est moi. Wakatta. Wakatta. Et jatsugi ikimasu. Su à la forme non accomplie, négative, avec tabaco. Ça tire à balles réelles. Sont dessinés. いいね、皆さん。グッドジャブですよ。完璧。完璧です。はい、そうです。そうですね。そうですよ。タバコすいません。タバコすいません。je ne fume pas。Le tabaco, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Sans dessiner. Chaud dessiner, bidachan. Su, fumer. En vrai, et ça va avec tabaco, hein. En général, c'est tabaco, su, fumer. Comment on dit un cigare? Je vais regarder ça. Merde. Merde. Un cigare, c'est shigaraito. Ah non, c'est un allume-cigare. Un cigare, c'est hamaki. Hamaki. Hamaki? Ha, la feuille roulée.
Ah, c'est là, c'est la feuille roulée. Tu prends une feuille, genre feuille d'arbre, que tu roules. Hamaki. Le cigare. Oui, mais là, c'est le kanji de la feuille de l'arbre. Du coup, Hamaki, le cigare. Un maki de feuille. Mais oui, maki, c'est maku roulé. Du coup, c'est rouler une feuille, littéralement. Et je pense que oui, du coup, ça marche aussi pour les joints, Anto. Avec du camembert. Kia. Nani, c'est quoi ce mélange du futur? Tabako shimasen ne. Watashi wa tabako shimasen. Moi, je fume pas et je n'ai jamais fumé. A toi, ano, osake wo nomimasen. Et je bois pas non plus. Avec du kabeku, mais MDR. Les makis à la française. Bah, à la limite, j'aime bien les makis au kiri. Mais ils en ont aussi dans les kaitenzushi, du coup, c'est pas vraiment à la française. Ah là là. C'est quoi mon casque? C'est un casque Amazon avec des oreilles de chat. Ça, c'était un investissement Twitch, du coup. Je l'ai investi avec l'argent de Twitch pour ça et le nouveau siège, du coup. C'est du Twitch. Watashimo Sensei, c'est bien, les gens. J'espère que pour ceux qui fument, vous arriverez un jour à arrêter si l'envie vous en dit, parce que c'est triste, mais ça vous bouffe un peu la santé, hein. On va pas se le cacher. Des makis au kiri, c'est trop bon, les gens. Sous-estimez pas les makis au kiri. Et si on voulait dire, je ne fume plus, pour nuancer le fait que par le passé, mo tabako shimasen, je crois, hein, on dirait mo plus, avec une forme négative. Un casque Shamazon. Sans dessiner. Alors, attendez. On arrive au troisième exercice. Donc, on peut se permettre de faire une petite pause. Je vais aller te chercher le lien. Il était pas cher, en plus. Du coup, et il est plutôt bien. Niveau qualité et prix. C'est celui-là. À 45,99€. Voilà, si vous voulez savoir. Ouh, tout un lien. Et il y en a d'autres couleurs, hein. Il y en a en rose et en violet aussi. Mais bon, moi je veux quelque chose d'assez sobre sur la chaîne. Les ninjas sont sobres, n'est-ce pas? Ah ouais, non, bah, il est dégueulasse, hein, mais pff, qu'est-ce que tu veux, Amazon, hein. Il est tellement long, je pense même pas qu'il y ait de trucs pour partager sur Amazon, du coup. Ma mondai arimasione. Ah, coucou Oli, comment tu vas? les gens, est-ce que ça va pour l'instant? Daijoubu desu ka? Minasan, do? Shitsuman arimasu ka? Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Daijoubu desho? C'est bon, bien, merci. Yokata, Oli-san, yokata. Merci beaucoup, 43ZI4H, pour ton follow. Comment on miaule en japonais? Nya, on fait nya. Nya, nya. Nya, nya, te. Comme les nyan cat. Nya, nya. En plus, je suis un chat, du coup, je peux. Nya, nya. Nya, 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 nya. Bon, attendez. Attendez, je mute deux secondes, il faut que je me mouche. Non, j'ai coupé mon micro en minimum. C'est immense. Un sub goal? De quoi un sub goal? Oh, dégueulasse! Oh! Oh! Non, merci! Non, merci! Bon, vous avez l'air de pas avoir de questions. Du coup, pour le prochain, ça va être avec l'extension. L'extension qu'il faut que je prépare, du coup, avec les sondages. Nouveau sondage. Quelle est la bonne réponse?
Et là, on va mettre... j'ai mis comment ? 1, 2, 3. 1, 2, et 3, et 4. Alors, je prépare ça en attendant. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Pour le moment ? Si j'ai pas de réponse, je considère que c'est un oui, mais si vous pouvez me dire oui, c'est encore mieux. T'inquiète pas, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Blackie, pour le follow. Follow je t'écoute, arigato gozaimasu sur notre channel Yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment nous as-tu trouvé? Dis-nous tout. Nous sommes des Motinobi. Comment dire? Nous avons besoin d'informations. Et bienvenue, du coup, parmi les Motinobi, évidemment. J'aime bien ton pseudo, il est cute. Blackie, t'es kawaii. Donc, vous allez avoir une phrase en japonais qu'il va falloir essayer de comprendre. Et vous allez devoir me dire quelle particule il faut mettre ou pas. Ah, coucou Gauthier, comment tu vas? Nalurodo, t'étais avec Isa tout à l'heure, je crois. J'ai vu ton pseudo sur le... Ok, Jean-Paul. Ah, Naruhodone. Mais Anto, il me connaît bien maintenant. Naruhodone. Donc, premier exemple, vous avez une phrase que je vous laisse lire et vous pouvez. Vous avez 3-4 possibilités. D'accord ? Donc là, du coup, je vais vous lancer le sondage. Et on va le laisser 3 minutes. Allez. Je vous laisse 3 minutes. Oh, merci beaucoup, Azabi. Oh, merci pour le subgif, encore une fois. C'est adorable. Merci. Merci pour Blackie, du coup. Tu t'arrives et boum, tes subgifs, trop bien. Et du coup, Blackie, tu auras accès à tous les salons subs qui sont sur le Discord. Donc, voilà. Donc, cette phrase, je vous la lis. Koji, nani nani, tennis o shimasu. Et là, vous avez le choix. Soit ni, wa, mo, ou ne rien mettre. Petit cadeau de bienvenue, c'est trop gentil Wasabi, merci beaucoup, merci pour lui du coup. Donc je répète, hein. Goji nani nani tennis o shimasu. Donc là, soit goji ni tennis o shimasu, goji wa tennis o shimasu, goji mo tennis o shimasu ou goji tennis o shimasu. Qu'est-ce qui convient le mieux selon vous? Ou je fais tennis avec des baies de goji? Je suis pas sûre. Un peu long le sondage. Je mettrai une minute, deux minutes. Je peux l'arrêter, hein. Mais là, il n'y a que 11 personnes sur 45 qui ont répondu. Qu'est-ce que vous attendez, les gens? Il faut répondre dans le sondage. Mais 1 minute 30, je pense pas que je puisse le mettre. C'est ça le problème. Alors, on va... Merde. Terminer le sondage. Du coup, donc, pour vous, la réponse à la majorité, c'est ni goji ni tennis o shimasu. Et c'est ça, c'est ça. Dans le chat, pourquoi on met ni? Pourquoi on mettrait pas wa? Omedetou ne minasan, sur les ni. So, parce qu'on a un complément de temps chiffré. Et donc on met ni. Ni. So, bien joué tout le monde. Phrase suivante, du coup. Alors, je relance. Nouveau sondage. Quelle est la bonne réponse? 1, 2, 3 et 4. Et du coup, je vous mets une minute à partir de maintenant. Alors, Ima, nani nani, Yonjiran, nani nani, des.
Quelles sont les particules qui conviennent le mieux ici? Ah, on est mitigé. Alors, ici, Yonji, c'est 4 heures. Et Han, oh, c'est toi, j'avais même pas vu que c'était toi. C'est 30 minutes. Yonji Han, 4h30. Ah, sore wa moto muzukashi kana. Celle-là, elle est plus difficile. Alors, la majorité pense que l'on dit ima wa yonjiran ni desu. Les gens, vous vous êtes fait avoir, parce que la réponse était bien la 4. Hein. C'est les 4 personnes qui ont voté, ont raison. Ima wa yonjiran desu. Alors pourquoi les gens? Pourquoi on met pas ni après yonjiran? Ah, coucou Emilien, ça va? Et merci beaucoup à la personne qui m'a offert un sub à ta chaîne. Mais je crois qu'elle n'est pas plus là. Si, je crois qu'il est encore là, Mizuki. Comment tu vas, Emilien? Ah, yokatta, Mayu. Ah, ja yokatta desu. Yokatta. So desu ne. Ici, on peut rien mettre parce qu'il y a des juste après. Des, on peut pas. On peut pas. C'est interdit. Sacrilège. So desu ne, so mitai ne. On dirait un sacrilège, exactement. Dame desu ne. So desu ne. Tsukatte wa ikenai. Tsukatte wa ikemasen. C'est interdit. Dame dame. Dame dame. Dame desu yo. Zettai dame. Hai, so desu. Phrase suivante. Alors, je vous laisse la lire le temps que je fasse le sondage. Hop. Ashita, nani nani, kaimono, nani nani, shimasu. Alors ici, première, deuxième, troisième ou quatrième réponse selon vous? Ah, konbawa, yafumi. Genki desu ka? Dou daro? Dou desu ka? Il y en a qui changent leur vote. Ah, mais c'est pas... La majorité n'a pas forcément bon, hein. Je tiens à préciser qu'il faut avoir son propre avis. Hein. Do daro ne, do daro. Ça balance entre le 3 et le 4. Nan daro ne, nan daro. Alors, la majorité des gens pensent actuellement que cette phrase se dirait Watashi wa kaimono o shimasu. Watashi wa... Ah non, ashita wa, pardon, kaimono o shimasu. Eh ben, vous avez raison. Demain, je fais les courses. Alors, l'autre partie a mis ni. Alors, même question. Pourquoi on peut pas mettre ni dans le chat? Est-ce que vous savez? Dab. Dab. Nickel, je suis sur l'aide d'un anglais qui chante trop bien et que j'ai découvert cette semaine grâce à un raid de DT. Et d'ailleurs, je fais partie de son équipe de moto maintenant. Oh, trop bien, Emilien! T'as level up! T'as level up! Oui, oui, exactement. Exactement. Très bien. Ashita n'est pas un complément de temps chiffré. Pour ce cas-là, en tout cas, on ne pourra pas mettre de ni. Ce sera wa ou... Parfois une virgule ou rien du tout. Ashita kaimono shima, ça se dit aussi. Avec une virgule ou non, à l'oral. Et c'est l'inverse de l'autre fois, pas de temps chiffré comme nous dit Anto Black. Exactement. Demain, je fais les courses à gars égale procrastination. Ah,
Sodeshko. Bah non, peut-être que t'as prévu demain de faire les courses. Suryotei deska. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous comprenez pourquoi on met telle particule et pas une autre? Si vous répondez pas, je considère que c'est oui, mais si vous répondez, ça m'arrange. Je vais dire ça maintenant. Naruhodo, naruhodo. Ah, mina wakatta. Naruhodo, naruhodo. Ok. Jatsugi. Donc pareil, je vous laisse la regarder. En attendant, je mets le petit nouveau sondage. Et je lance maintenant, vous avez une minute. 7月 2日 何々 結婚します pardon. 結婚します. Tiens, il a changé de date, ce fameux kekkon. Le fameux mariage. Ah, nani, kotae wa nan daro ne? Ah, so desu ne, seima. 7月 2日, nani nani, kekkon shimasu. Est-ce que c'est ka, wa, ni ou rien du tout? Dodaro. On est sur du juillet, pardon. J'ai dit ouais, Seima, mais en effet, c'est pour juillet. C'est ton anniversaire le 2 septembre, Ishtaris, ça veut dire ça? Alors, la majorité pense que on mettra la particule ni. 7月 2日 ni 結婚します. Mayu a un beau prof particulier. On se demande qui c'est. Ah, le jour de la rentrée, c'est trop triste, Ishtari. Et donc la réponse c'était bien ni, hein. Ici, et c'est la même raison que tout à l'heure, on est sur du chiffré. Il y a des chiffres. Alors ils sont écrits en kanji, c'était fait pour vous perturber, hein. Mais on a des chiffres, hein. Le 7, le 2 juillet. Et je vous ai mis septembre, du coup, je me suis trompée aussi. Ah. Seima, les grands esprits se rencontrent, que veux-tu? Genre, c'est pas grave, hein. Je m'auto-perturbe en faisant mes diapos. Donc, évidemment, c'est juillet, le 2 juillet, le 7. Le 7e mois, c'est juillet. Juillet. Juillet des yo. C'est à juillet des... Juillet. Voilà. Hop. Juillet. Ah, je savais pas ça. Ah bah, tant mieux. C'est parce qu'au début, l'année commençait en mars. Ah. Naruhodone. Naruhodone. Naruhodo. Et je suis désolée les gens, mais je dois vous annoncer que c'est déjà la fin du cours. C'était vraiment une petite séance aujourd'hui parce qu'on n'a pas vu beaucoup en grammaire. Hein. Du coup, c'est déjà fini. La question étant, est-ce que bah, vous avez des questions? C'est le moment, hein, pour les poser si vous n'avez pas compris quelque chose. J'ai level up maintenant, je peux mettre des coups d'épée ou scotcher certains. Si tu veux, le nom du gars, c'est John Clapper Music. Ok, bah j'irai faire un tour tout à l'heure. Peut-être pour le raid? Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'as pas compris, Blackie? Je peux t'expliquer, hein, on a le temps. Hein. Les petites séances comme ça, c'est fait pour, justement. Si vous avez des questions, c'est du bonus. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas de questions, voilà quoi. En attendant, que si des gens posent des questions, par rapport à la semaine prochaine. Donc là, on n'a plus de live.
de cours de japonais. La semaine prochaine, on est en vacances, donc il n'y aura pas de cours sur la chaîne. Et à la rentrée, donc dans 2 semaines, lundi, ça sera une semaine d'examen, comme on avait dit, tous les 3 cours. Sur le Discord, je ferai une annonce en vous disant les points qu'il faut réviser pour l'examen en grammaire et en kanji, évidemment. Mais pendant les vacances, on va avoir quand même des lives. Je ne serai pas inactif. On va premièrement avoir le live de test de pureté que je vous dois. Et on va également avoir un live karaoké pour fêter le sub goal. Donc on doit fêter un follow goal et un sub goal. Tu donnes des cours tous les combien ? Alors, je donne cours toutes les semaines, le lundi, mercredi et jeudi à 18h30, sauf quand c'est les vacances, notamment quand la semaine prochaine, je dois travailler sur mon mémoire, hein, du coup, faut que je fasse des pauses sur Twitch. Zenbu wakarimashita. Ah, yokatta. Zenbu wakatta kana. Sensei est trop forte, pas de questions. Yokatta desu. Naruhodo, Emilia. Naruhodo. Donc, je ne sais pas encore quand est-ce que je ferai mes lives. À vrai dire, je voulais décider. Attendez. Où est mon... Là. Il faut que... Lundi, je sais que je peux pas. Ça, c'est sûr. Ou alors, c'est lundi après-midi. Samedi, c'est mort. Dimanche, c'est mort. Donc, mardi, potentiellement... Alors, un live karaoké, à quelle heure ça vous dit de faire ça? Genre, les gens qui sont ici intéressés par un karaoké. Les vacances, c'est lundi. Donc, est-ce que vous êtes plus en après-midi, en matin, en soirée déjà? De 10h jusqu'à 22h. Je vais mourir, je ne vais plus avoir de voix. Le soir, live karaoké. Donc, dans ce cas-là, je peux le faire soit jeudi, soit mardi, au soir. Imaginons à partir de 18-19. Faut prévenir les voisins. Ouais, non, mais t'inquiète, j'irai toquer, j'irai. Par contre, y a des gens, ils ont sub, alors du coup, on va chanter. Ils vont rien comprendre. Les travailleurs ne sont pas forcément en vacances, alors en soirée, c'est le mieux, je pense. Wakata. Mardi ou jeudi? Bah en fait, on peut faire un live le mardi, de pureté, et un autre jeudi, karaoké. Enfin, ou inversement. Oui, Saïma, exactement. So desu ne. Le live pureté, c'est un test pour... Ah, parce que à chaque fois... Dans ce chat, vous dites des trucs genre très olé olé. Et moi, je comprends pas. Parce que je suis pure et innocente. Et vous me croyez pas quand je vous dis ça. Et donc, à travers ce test-là, vous verrez à quel point je suis vraiment pure. Ah non. Non, Kaitu, ça va aller. Non, merci. Pas avec eux. Pas avec eux. Keiko desu. Peut-être que le karaoké, je vais le mettre jeudi. Parce qu'il faut que je prépare le fichier. Je suis en train de faire un fichier pour vous dire ce que je sais chanter. Vous aurez le droit de faire des recommandations et je ne les chanterai malheureusement que si je connais, parce que si je connais pas, ça sert à rien. Enfin, je vais pas réussir à la chanter, mais bon, bref, on verra à ce moment-là. Ah, ah, repure noob. Pure noob, on fait quand le karaoké? Toi, c'est le vendredi que tu live, du coup. C'est quand que tu live, Pure Noob, que je sois pas sur tes plages horaires? Le vendredi soir? Et il y en a d'autres, normalement. C'est pas le mardi soir? Merci, Sensei Kandi, pour ce cours d'exercice. Je vous laisse, à bientôt. Ah, bye bye, Grim. Merci à toi d'être passé. Mardi, atténuité, vendredi soir, grammaire et dimanche, lecture. Ok, ok, donc je suis pas sur tes plages horaires, c'est parfait. Bon, je vais encore réfléchir, mais je pense que on fera du 18h, je sais pas à quelle heure, mardi et jeudi, la semaine pro. Voilà. Oui, Kaitu, je pense que c'est ce que je vais faire aussi. Comme ça, j'aurai le temps de faire le Google Doc et j'aurai le temps...
de m'entraîner. Et mardi, ça sera le test pureté. Et non pas le test purée, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Tenzomaru, pour le pizza. C'est trop chou. Ah, bah écoutez, les gens, alors dans le Discord, vous avez eu un salon karaoké maintenant. Donc mettez des chansons que vous aimez bien, que vous aimeriez que je chante. Et moi, avec toutes vos recommandations, ça va me permettre aussi de faire le fiche, le Google Doc, d'accord? Si je dois vous montrer à peu près à quoi ça ressemble pour le moment, ça ressemble à... Alors, à ça. En cliquant dessus, vous allez voir du coup le Google Doc et toutes les musiques que je suis en train de mettre. Alors, je vous ai mis ce que j'avais vraiment bien chanté, celles où des fois j'avais des parties où ça allait pas, ou d'autres que j'aime bien chanter mais que je suis en mode nanana, nanana, nanana. Wakata. Pour chaque sub, une chanson. Ah bah, en vrai, ouais. Hein. Ah non, bah, je sais pas, on aura jamais le temps de faire 100 chansons, c'est beaucoup. Ah, bye bye pure noob, mata atode. One Piece, j'ai mis We Are, c'est la seule que je connaisse de One Piece. Mais vous inquiétez pas, on va en reparler et je referai des annonces et mettez vos recommandations dans le salon karaoké. C'est discussion, karaoké, et vous dites voilà, telle chanson, les Disney, il y a des Disney certainement que je peux chanter, des dessins animés, genre Miraculous, je vais le mettre dans la liste, Code Yoko, je vais le mettre dans la liste, Pokémon aussi. Et l'idéal, ça serait d'avoir une grosse liste pour que dès que quelqu'un veut faire une demande, bah, il puisse voir la liste et savoir ce que je sais chanter. Et vous pourrez également faire des recommandations pour que je puisse renflouer cette liste hein, au fur et à mesure. Re. Je la connais même en espagnol. Oui, ah, sérieux. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Normalement, je suis censée live du Papercraft, je sais plus quand. J'ai dit quand? Attendez, planning. Demain après-midi, apparemment. Apparemment. Je ne sais pas si je vais le faire, je vous avoue. Je suis tellement débordée que je... peut-être ça va être annulé, le Papercraft. Mais dans tous les cas... oh, merci, Wasabi, mon dernier beat. Arigato, merci pour les beats. Et merci, Ralph Nazar 1 pour ton follow. C'est très gentil. Follow, je t'ai connecté. Arigato gozaimasu, on obtient le yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Saigo no wasabi no beats desu ne. Enfin voilà. Dites souvent le tout temps. Le de quoi? Le outan. Le pilier suivant pour les beats, c'est combien? 25, je crois. Ça doit être dans les 25. Ka. Shinzo, Sasageo. Elle y est. Vous inquiétez pas, elle y sera évidemment. Faut que je m'entraîne, mais elle y sera. Comment tu connais le japonais? Alors, ça fait depuis que je suis au lycée que j'ai appris le japonais. Et maintenant, bah, ça va faire 8 ans que j'apprends. Et là, je suis en première année de master à l'université de Lille. Merci beaucoup pour tous vos follow. Vous êtes adorables, les gens. Non, mais ça s'agaye, il faut que je m'entraîne, mais on va y arriver. Hein. Ouais, ça fait beaucoup, Mayu. Ça fait un peu beaucoup. Mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de follow qui pop d'un coup? Hello, c'est Victor, ton futur sensei. Naruhodo, coucou Victor, comment tu vas? Je vois quitter en plus, c'est ça le pire. Oh là là, merci pour les follow. Donc, n'hésitez pas dans discussion à mettre des recommandations pour le karaoké, hein, d'accord? Vous n'hésitez pas, comme ça, moi, ça me permet de renflouer la liste. Comme ça, le jour où on le fera, donc jeudi à 18h, on commence la soirée karaoké pour fêter le sub goal. Et on va chanter comme Jaja. J'espère que j'aurai pas mal à la gorge d'ici là. Mais on va bien s'amuser, vous aurez le droit de faire des recommandations, etc., etc. Ça sera cool. Moi, je fais les cris derrière. Oui. Sans dessiner. Sasageyo, Sasageyo, Shizo, Sasageyo, Subete no Kusen wa. Bref, ça va être comme ça. Ça va être comme ça toute la soirée. Et on va toc-toc chez les voisins en disant « Jusqu'à 22h, on fait karaoké. Hein. » Ah là là. Donc, voilà. Sur ce, les gens, on raide qui? On raide qui?
T'es qui qu'on raid? Je vais regarder qui j'ai de mon côté. D'aller, Ilukana. Est-ce que vous avez des osus humains? Est-ce que vous avez des recommandations? Oui! Vivement jeudi. Vivement jeudi. Je ferai peut-être aussi du gaming si j'ai le temps. Fall Guys notamment, ça fait vraiment longtemps. Mais... Il y aura du karaoké dans l'air jeudi. Du karaoké dans l'air jeudi. Alors, c'est qui ça? Je vais regarder. Mais non, il est... C'est pas un petit ça. Il y a tellement de monde. Est-ce que vous avez des personnes... Je vais regarder dans mes recommandations. Qui que j'ai dans mes recos? Attendez, hop. Oh, avec leur pub là, des dents, horrible. Franchement, t'es trop chou. Ah, c'est toi qui es trop chou de dire que je suis trop chou. Glaola found your channel. Yokata des, yokata des, kokoro, 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 kokoro. Alors attendez, j'ai pas de recommandations avec moins de 20 viewers. C'est quoi ce délire? Débrief Nintendo. Mais non, ils ont... c'est quoi? Kaiden HD, c'est quoi? Du Fall Guys. Il y a beaucoup de gens ou pas? Attends, on va regarder ça. Oh, la qualité. Ah non, il est mort. Ah, il y a Lise. Attendez. Lise, ça fait longtemps que je l'ai pas raid. Et elle va recommencer dans 2 minutes. Alors, attendez. On va raid Lise. C'est bon, j'ai trouvé. Il y a pas beaucoup de monde. Et elle est très, très... Ah ben non. Il y a Sophie Cour de japonais. Putain, on a failli la louper. Heureusement qu'on a papoté, on a failli la louper. Ah, yokata, yokata. Là. Bon, sur ce, les gens, n'hésitez pas à rejoindre ce raid pour poursuivre votre apprentissage du japonais avec Sophie. Petite traduction de jeu compte, il me semble. Moi, je vous fais à tous des gros bisous. Je ne sais pas quand on se reverra sur Twitch, mais dans le pire des cas, ce sera mardi à 18h sur la chaîne pour le fameux test de pureté. Vous verrez à quel point je suis un ange, même si vous ne me croyez pas. Je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que ce cours vous a plu, que ça vous a bien entraîné. Merci encore pour le train de la hype d'aujourd'hui, les beats, les photos, les subs gifs, merci infiniment, vous êtes des amours. Je vous clap les mots de Shinobi, vous êtes la meilleure communauté de la Terre, je ne vous le dis peut-être pas assez mais je le pense. N'hésitez pas à rejoindre ce petit train de la hype, vous aurez des points de chaîne supplémentaires et ça fera plaisir à Sophie cours de japonais. Il faut qu'on s'entraide, un jour peut-être j'arriverai à raid pure noob. Le jour où il le fera pas aussi tard ses lives. Sur ce, bonne soirée à tous, bon appétit à tous ceux qui n'ont pas mangé et je vous fais des gros bisous. Otsukare sama de shita minasan. Bye bye. Thank you.